Hello tout le monde! Il est genre 10h15. Ça fait un petit bout là, que Adeline adore. Puis je pense que. Je sais pas si tu avais remarqué là, mais tu sais, dans mon dernier vlog, je pense que c'est le dernier, ouais. Je vais m'installer dans mon lit là, pour vous parler. C'est ça, dans mon dernier vlog, je sais pas si tu avais remarqué là, mais tu sais, Adeline, chaque fois que j'ouvrais ma caméra, là, chaque fois. À part à parler ou à chialer. Puis c'est comme la fin du monde là, que je vous parle, elle veut pas que je vous parle. Comme. Fait que là, je me suis dit, la meilleure option, ça va être soit que j'attends qu'elle soit couchée ou j'attends qu'elle soit vraiment occupée. Des grosses nouvelles, là. Ben, c'est ça. J'en occupe moi et Adeline. On sort de la COVID. Peut-être que vous m'entendez un peu, là, je parle encore du nez. Mais c'est ça. Ça a été rough. Pour une fille qui est comme trois fois vaccinée, que tu sais qu'on a fait vraiment attention tout le long pendant 2 ans, là, puis on se compte chanceux qu'on l'ait pas eu pendant, tu sais, au début quand 2 ans, là, quand ça a vraiment commencé en 2020. Parce que, au palais, je m'aurais pas vue passer au travers de tout ça. Sans avoir été vaccinée. Sérieusement, là, c'est encore quelque chose. La première vraie journée malade, j'étais à terre. Mais à terre intense, là. Si Adine n'avait pas été là, c'est sûr que j'aurais passé la journée à rien faire, à dormir. Mais quand je dis dormir, là, dormir. Je m'endormais tout le temps comme. J'avais le divan-lit ouvert dans le salon, là, parce que je pense que je vous ai laissé. C'est ça le dernier vlog, c'était comme en début de la semaine. Puis, Chanaka, lui, était malade. Moi, j'étais encore correcte. T'sais, on savait que ça allait s'en venir, mais quand même. Fait que moi, j'étais installée dans le salon. Puis, c'est ça, la première journée que moi, j'étais malade, là, je l'ai passée. Puis, Adeline, puis moi, on se suivait dans notre maladie, là. On était couché à absolument rien faire. Genre, écouter la télé, c'était trop intense. C'était comme trop pour ma tête. Une chance que Chanaka et moi, on était décalés. Ça, je vais dire. Une chance que Chanaka et moi, on était décalés parce que ça n'aurait pas été beau. Vraiment pas, là. Les deux à terre comme on était, là, ouf. Je nous aurais pas vus. Une chance qu'on était décalés. Fait que c'est ça. Ça fait 2-3 jours que je reviens à la normale un peu avec mes tâches ménagères. Tu sais, comme hier, j'ai fait une méga journée là, de lavage. J'ai tout lavé notre lit de A à Z. J'ai lavé des couvertes dans le salon que, tu sais, moi, j'ai utilisé. Tu sais, je veux comme juste revenir à neuf parce que on s'entend, je veux pas comme rester avec les microbes, là, si on veut. Je veux comme que tout soit frais, tout soit propre. Fait que c'est ça, je passe des linges, des Lysol un petit peu partout quand je pense. Puis en tout cas, faut que je me fasse comme une journée plus je désinfecte. Mais en temps et lieu, là, quand je vais avoir de l'énergie. Aujourd'hui, j'ai quand même un petit down d'énergie, mais je pense que c'est juste parce que j'ai mal dormi. Puis ça prend tellement. T'sais, vous savez, là, je suis une grande dormeuse. Fait que moi, ça me prend encore plus de sommeil quand que je suis malade, puis il faut que je reprenne mes forces. Fait que là, c'est ça. Je suis comme en mode relax un peu. Je me suis fait un bon café pour la première fois, une des premières fois en fait, depuis ben, une couple de jours. Fait que c'est ça. Là, vous pouvez peut-être voir, mais j'ai fait mes ongles. Hier, j'ai eu le temps. En fait, j'ai pris le temps. Mais là, c'est ça. Je les ai faites un peu thématiques. Comment je pourrais dire? Pâques, mais je voulais pas comme quelque chose avec des cocos, pis t'sais, full idée Pâques. Mais c'est ça, ça fait un peu printemps. J'ai comme dit ces petites fleurs. Puis là, faut dire que c'est juste un recouvrement là, au gel. J'ai pas d'acrygel comme base à rien. Fait que je vais voir combien de temps que ça va durer. Mais c'est ça. C'est pour ça que c'est comme plus facile à les faire aussi, là, parce que justement, il y avait pas de base à faire. Fait que c'était pas long, si on veut. C'est ça, l'autre main, je l'ai faite comme ça. Fait que sont similaires sans être trop pareils, c'est ce que j'aime. Toute la semaine passée, une chance qu'on avait notre boîte Cookit. En fait,
Ouais, une chance qu'on avait notre boîte cookies la semaine passée, ça nous a vraiment aidé à faire des petits repas un peu plus différents, sans trop d'efforts, sans avoir pensé. Parce que la mère à Chanaka, c'est un ange. Deux fois la semaine passée, elle est venue nous porter de la bouffe. Mais pas un peu de bouffe, là. On a eu une sauce à spaghetti, on a eu de la lasagne, on a eu 10 différents curry avec des string hoppers, avec tout ce qui vient avec les string hoppers. Il y a un genre de topping au coconut, il y a le petit un genre de coulis au safran qu'on met sur les string hoppers. Elle nous a fait un festin, on a tellement bien mangé. Puis c'est ça, Jean-Luc était content parce que, tu sais, il veut pas d'écurie, c'est quand même épicé. Fait qu'il dit, oh, je vais manger toutes les épices que je peux, je vais manger fort comme ça. Hey, le méchant, il va vraiment être tué, tu sais. En tout cas, on riait bien. D'un autre côté, pas vraiment. Mais c'est ça, je vais essayer de vous mettre un petit vidéo ici, là. Ou je sais pas si je vous l'ai mis dans un autre vlog. En tout cas, je checkerai, là. Si je voulais pas mettre dans un autre vlog, il va être ici. On a donné un petit peu de curry à Adeline. Inquiétez-vous pas, là, c'est pas le genre de curry qui est fort, c'est juste un curry. Bon, le plat, il s'appelle un curry, mais c'est ça. Elle a tellement aimé ça, c'est un curry de patates avec des string hoppers. Sur une autre note, j'aimerais vraiment trouver une solution pour ma garde-robe. En fait, j'ai tellement plus de linge qui me fait. J'aimerais ça me faire un genre de petit challenge que, exemple, pendant une semaine. Mettons juste une semaine, là, 7 jours de temps. je passe au travers, exemple, de mon garde-robe. Puis je choisis 2 items par jour que je ne veux plus. Et je les pose sur Vinted. Genre, je fais de A à Z. Parce que là, mon problème, c'est que j'ai fait une journée ménage. Je pense que c'était un peu après Noël, là, je m'en rappelle plus trop. Ou même avant, je me rappelle vraiment pas. En tout cas, j'ai fait une grosse journée ménage parce que je regardais mon linge puis tout, puis que je faisais le tri, oui, non. Puis après ça, je me suis fait une autre 2-3 journées après que je postais sur Vinted. J'ai même pas fini à ce jour de poster parce que j'ai tellement de stock. Puis c'est quand même. C'est pas long à faire, mais c'est le temps de setup. Tu sais, avec Adeline, on dirait que j'ai pas vraiment le temps. Fait que là, je me suis dit, challenge, ça serait qu'à chaque jour, je vais dans mon garde-robe, je choisis deux pièces de vêtements qui me fait plus. Puis, ben c'est ça, que je fais le processus de A à Z. Ok, je le veux plus, je l'accroche, je prends les photos, je le mets sur Vinted. Puis alors ça, je me le mets dans ma boîte, genre avec les autres trucs là, qui sont postés, puis que j'attends des nouvelles là-dessus. Fait que c'est ça. Excusez. Fait que je sais pas si je vais commencer ça aujourd'hui. Peut-être, en fait, ça serait une bonne idée. Aujourd'hui, on est mardi. On pourrait. On pourrait, on pourrait. Je vais me le noter. Challenge Vintage, je vais l'appeler. Coucou! On est quelques jours plus tard, mais je voulais vous conclure mon vlog. Donc, aujourd'hui, mon vlog, c'est pas. C'est pas un vlog comme normal, c'est plus. C'était une excuse pour moi pour ouvrir la caméra, là. Je voulais vraiment vous jaser. Donc, c'est ça. Les prochains vlogs, là, ça va devenir un peu à la normale si on veut, là. Je vais vous filmer comme plus les activités. Ben, les activités. Qu'est-ce que je fais dans mes journées, pis tout, mais là, c'est ça aujourd'hui. Je voulais juste vous dire quelques updates. Donc, ben, c'est ça. Sur ça, je vous remercie de m'avoir regardé aujourd'hui. Puis, je vous dis à la prochaine!